presse parlée, écrite et télévisée, et presse en ligne. Je remercie nous pour la présence aujourd'hui. Nous venons faire une couverture dans un moment spécial qui est les affaires sécurité des pays, qui est le plus gros concern que le pays a gagné aujourd'hui. Avant de commencer, je présente les condoléances moi, et condoléances à tout l'État, à la famille, directeur de prison civile, Kwadwo Boukaya, inspecteur Paul Joseph Hector, et dernière victime nous en date, ce médecin qui est tombé en bas de l'assassin, bandit, en dans le pays, nous profitons de l'occasion pour nous voir sympathie, nous, Bayo. By famille médecin. N'a profité pour nous féliciter policiers dans le commissariat Lester avec accompagnement et collaboration population qui est arrivé freiner Zach qui était sorti pour le fait dans la zone. Après Lister, parce que c'est Lister action arrivée, nous connaissons dans la base, il y a un gros chef bandit qui était sauvé dans la prison qui est tombé. Nous voyons un gros coup de chapeau par les policiers et demander directeur général là pour le capable toujours motiver ce type d'action ça dans le sens positif, l'arrivée. Insécurité, kidnapping. Ça, c'est l'État qui a un problème en premier parce qu'il y a une instabilité politique. Ce n'est pas bon pour le peuple. Et ce pas bon pour l'économie du pays. Ça veut dire que ce n'est pas bon pour personne. C'est pour ça que nous dans l'État, c'est gourmet contre le kidnapping et l'insécurité pour que la population vive en paix. Nous sommes fait gros rencontre ça après. CSPN qui était fait hier soir. Et il y a des décisions que nous prenons. Il y a des décisions que nous connaissons que nous ne sommes pas capables de dire devant la presse. Mais il y a des décisions que nous ne parlons pas de là. Tant coup, décision qui prend pour que l'instruction baille nos affaires. Kidnapping, non, parce que kidnapping n'est pas jamais fait pour le parrain, Ça veut dire le kidnapping a fait, il est toujours des auteurs intellectuels derrière. C'est pour ça que nous prenons décision pour que UCREF, ULCC, ministère Finance, Banque République d'Haïti, tout le monde net, mettez tout ensemble pour nous commencer à suivre le mouvement au sérieux de l'argent. Avec bon gens d'outils légaux qu'a fait dans le système financier parce que gan pile information que nous gagnons mais nous voulons avant nous arriver dans affaire qu'un des monde mais faut nous gagnons preuve et bon gens preuve c'est pour ça mon zayo nous demander toute institution zayo pour yo comment ce travail et chef CSPN non, pour le ministre là, il prend le travail pour rapidement nous mettre institution ça ensemble pour nous capables de joindre bon gens preuve sous des allégations des informations que nous avons. Dans le contre la tour, moi passer l'ordre pour un contrôle qui fait en douane pour nous renforcer le contrôle. Par exemple, contrôle qui pour fait particulièrement dans port Saint-Marc, dans port Cap-Haïtien et dans port Lafito, c'est côté plus zam et munitions passées entrer en dans pays. Et sous même aspect ça tout, nous demander premier ministre pour presser le rencontrer avec ministre affaires étrangères là pour rencontrer avec autorité américaine yo. Sur question ça pour qui puis bon coup de main que nous avons joué parce que munitions
avec un pile dans Zamzayo, yo sorti dans des containers de faits personnels qui sorti aux États-Unis qui entrent en Haïti. Pour moi, qui plus bon contrôle que nous avons mis, pour moun sa yo, si c'est des Haïtiens qui vivent aux États-Unis pour nous une possibilité pour nous capables faire rentrer, ça veut dire déporter yo, pour nous-mêmes, pour nous capables de GPN dans le pays. Et si c'est des étrangers qui yon, pour nous qui plus bon manière, deux pays qui mettent tête yon ensemble pour nous arriver à joindre une bonne solution, parce que j'en nous connais là, c'est pas Zamio avec munitions, c'est pas pour compte yo, y a le monté dans le conteneur, y a rentré en Haïti. Ça veut dire, yon pas rien, yon pas rien qui mène yo dans le conteneur et pour conteneur ça arriver dans le pays. L'autre décision nous prend, même si nous connaissons pour affaire coronavirus, nous écrivons une ligne rouge, une ligne téléphone rouge. Nous demandons au ministre de la Justice là, pour rapidement, il y a une ligne rouge qui crée 24 heures sur 24 pour kidnapping. Ça veut dire la police annonce nous que nous avons un call center déjà, ça veut dire un centre d'appel, qui est capable de recevoir toute quantité d'appels que moun a bien pour vous faire. On croit que y a arrivé jusqu'à 250 appels heure. C'est-à-dire c'est pour permettre que au moun qui gagne information sous affaire sécurité, ça veut dire on va arriver devant ou elle faut nous suspendre dans affaire jwe bouche pa, c'est jwe bouche parler. Et le ça moun nan l'a toujours kembe anonymali, nous pas besoin qu'on est qui monde, c'est justement c'est notre collaboration police population. Et l'autre point encore important que nous chita sous lit, nous parler de lit, ces affaires compagnie sécurité, parce que grand pile compagnie sécurité qui importait munitions avec armes à feu dans le pays, nous croyons que il y a un contrôle qui va le faire pendant 5 dernières années pour voir exactement qui quantité, qui type de zam que compagnie ça a importé, qui côté yo, qui est-ce qui observe avec yo, et qui quantité munitions tout pour nous comparer entre, pour nous voir quantité munitions que vous commandez yo avec utilisation yo, pour nous garder est-ce que ça yo le soutenable. On croit que premier ministre là, qui c'est chef CSPN là, l'a gagné pour le faire, pour demander la police pour faire travail ça. Et faut pas oublier que kidnapping dans tout, à chaque moment qu'on kidnapping qui fait, ça crée un émoi dans niveau population. C'est sous émotion mon yo qui travaille. Et c'est pour ça que nous prenons décision pour que le bon kidnapping qui fait pour nous demander population pour l'accompagner nous, parce que le yo barré route pour être un kidnapping, c'est compliqué, il y a compliqué problème non. C'est pas résoudre que résoudre lui. Ça veut dire accompagnement pour population, l'important qui va permettre que en temps réel automatiquement que kidnapping en fait nous-mêmes nous capable connaître et là ça collaboration population, c'est lui-même qui pour nous ça n'a pas cherché. Maintenant pour affaires auteur intellectuel kidnapping. Pas oublier, nous te songer dans l'année 2013-2014, comment kidnapping, t'a dit depuis 2011, comment kidnapping t'a fait ravage dans le pays. Une seule arrestation t'est faite, et puis kidnapping dans le pays. Et nous songer dans l'année 2016, disons 2015-2016, kidnapping, nan, jusqu'en 2017. Kidnapping n'est pas zéro. Ça veut dire, pour une raison ou pour une autre, disons, là nous parlons de 2017, même 2018, parce que en fait, c'est, nous commençons à connaître une grosse vague kidnapping dans le pays à partir de décembre 2019, pour arriver à un moment à parler là. C'est pour dire que kidnapping n'a pas l'autre objectif, qui n'est pas objectif seulement pour kidnapping les gens pour faire l'argent, mais il y a un objectif politique tout. C'est pour ça que nous prenons disposition pour que bon gens contrôlent à tous les niveaux en l'état
pour nous capables arriver faire face à situation insécurité ça parce que insécurité a n'est pas bon pour personne nous même qui dirige pays a si insécurité ça il pas ta bail problème c'est pas dans activité ça n'a pas matin nous t'a non l'autre et me profiter féliciter comportement démocratique tout monde qui était la manifestation hier qui aider la police fait travail d'ailleurs m'a encouragé tout monde qui a l'idée pour ta manifestant dans le pays a pour toujours qu'aimé même comportement non violent ça qui bail la police possibilité pour sécuriser vie à bien réellement parce que craser briser c'est pas un bagage qui bon c'est pas un bagage qui capable nan moun kap manifester pacifiquement nous ap travail et gan pile effort kap fait nan niveau police là forme di décision finale que m'pran nous prenons décision pour nous mettre nos cellules anti-kidnapping rapidement pour renforcer cellules anti-kidnapping dans le DCPJ. Mais ce n'est pas mon cap sur dehors cap dans la cellule. Ça, faut nous clair pour nous comprendre ça. Ça veut dire son synergie qui peut créer entre toute entité qui est dans l'État déjà. Je voulais parler de sécurité publique avec nouveau secrétaire d'État sécurité publique. Nous voulons parler de ministère intérieur. Nous voulons parler de toute l'autre entité qui travaille dans les affaires d'enseignement et d'intelligence dans le pays. Hein. Pour nous mettre tout ensemble, sous leadership directeur général de police, hein, pour nous capables de mettre un bon contrôle dans les affaires de kidnapping. Hein. Pour les affaires d'équipement, il faut nous dire que nous sommes en phase finale pour nous recevoir des équipements qui permettent que la police, avec DCPJ, travaille. Pour notre temps réel, nous sommes capables de gagner bonne information sur toutes actes kidnapping qui ont fait en notre pays. Et décision encore que nous prenons décision pour que au niveau de la police, il y ait bonne contrôle interne qui mette. Et le directeur général de la police qui confirme que le commencé d'ailleurs, et ceci depuis plus de 2 mois, avec contrôle interne ça. Qui permettent confiance que la population doit gagner la police à les renforcer. Et nous, la confiance, ça, de commencer à renforcer, qui pour permettre que la police, là, jodia, les gars, fait travailler comme ça doit. Ça veut dire que toute institution, publique comme privée, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des ordres. Mais les gens qui font des ordres, il n'y a pas qu'à regarder. Par exemple, dans la police, il y a l'inspection générale. Dans tout l'autre côté dans l'État, tout, le monde des ordres qui fait, le monde qui fait des ordres là, il y a des entités qui là pour capable de rappeler la loi. Et dans rappeler la loi, ce qu'on arrive, c'est jusqu'à révocation ou même parfois emprisonnement. C'est pour me dire que nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, nous ménager pour nous pour nous capables de mettre le pays en sécurité. Parce que, en fait, je dis, nous avons un pile de monde parlé de problèmes d'insécurité. Mais il faut me dire que le problème d'insécurité, ça, que nous vivons dans le pays aujourd'hui, n'est pas supposé un problème côté, c'est un seul groupe qui est concerné pour porter solution. Nous-mêmes, nous pas nous, comme l'État, c'est travail, mais travail n'a pas travail là. Je nous dis nous besoin d'accompagnement de tout le monde. Que le monde qui est dans l'opposition politique, que le monde qui est dans le bon pouvoir, nous besoin d'accompagnement de tout le monde pour nous apporter bon genre résultat à peuple là, pour que sécurité tourne dans le pays. Et en parlant de monde qui est dans l'opposition politique, je profite de l'occasion pour me dire tout que à chaque fois que le pays a une turbulence politique, c'est pour nous garder à qui est-ce que la crise a profité. Il a toujours profité à bandits, il a toujours profité à moun yo qui nageait dans des eaux troublées. Et c'est pour ça que je dis, hein, je crois que c'est important pour acteurs politiques dans notre pays, hein, nous capables de mettre tête ensemble,
nous chita attendez pour nous capables de jouer une bonne solution côté pays ça parce que nous voulons que nous parlions moi-même 35 ans après que nous entrons dans l'ère démocratique là moi crois que bagayo pas marché bien moi l'exemple Jérémy que me Jérémy samedi un magistrat dans discours il dit ça il y a 35 ans depuis que Jérémy était en courant après 35 ans ça veut dire c'est pas possible c'est pour nous dire que aujourd'hui hein, c'est pour nous arriver pour nous mettre tête nous ensemble pour problème commun nous adresser ensemble nous pas obligé que aujourd'hui hein, c'est équipe ça qui sous pouvoir on frappe parce que demain c'est craser pour nous craser pour nous même pour nous prendre pouvoir non c'est pour nous mettre tête ensemble pour nous capable sortir pays là parce que moi même qui parle avec nous là moins dans dernière année madame comme président ça veut dire année prochaine dans les comme ça soit le président qui vient dans pays et là le président ça venir moi nous même par exemple si le président ça il pas sorti dans même bloc politique avec nous seul ça m'a bien c'est travailler avec lui pour accompagner lui pour expérience comme ancien président pour venir mettre au service lui pour le cap mettre service parle dans service peuple là moi remercie encore tout le monde presse ça qui était présent population m'a dit nous qu'il y a confiance nous dans autorité qui là pour mettre sécurité dans pays la police en particulier n'a travail pour que sécurité retourne blaï dans famille haïtienne encore collaboration nous pas ménager li bay moun qui responsable sécurité yo veut parler particulièrement la police bon gens collaboration avec information qui a besoin parce que me connais un gros travail qu'a fait parce que sous kidnapping nan, nous commencer à identifier et aujourd'hui poche kidnapping yo nous quoi tout le monde qu'a gardé m'a tendu là nous bien temps ouais yo ça veut dire n'a bataille nous-mêmes dans niveau l'état pour nous mettre tout bandit tout vagabond hors d'état de nuire parce que j'aime toujours dire la vie en bandit écoute coûte ça veut dire il pas durer trop longtemps l'on choisit ce métier ça pour faire son métier qui font partie très jeune qui font prendre pension très jeune et pension on prend tout le monde comme l'on bandit prend pension qui veut aller ça veut dire je dis nous pas t'arrêter parce que au bandit que ou c'est un citoyen normal ou c'est haïtien. Ça veut dire aujourd'hui, là que nous-mêmes, dans le niveau de l'État, nous disons non, ça veut dire nous-mêmes qui bandit, si vous ne pouvez pas comprendre que l'État dit non, là ça, l'État, c'est faut comprendre que le dit non. Merci un peu.